Merde, je suis rentrée. Jade, c'est maman, il est 21h30. Je commence à m'inquiéter. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Allô? Oui, Emma, c'est Christine. Jade serait pas avec toi, par hasard? Non, pourquoi? Elle est toujours pas rentrée. Tu sais pas où elle pourrait être? Tu peux aller voir au Choteria, c'est un bar à côté du lycée. Elle traîne souvent là-bas avec Lucie et Jules. Ok, d'accord, merci. Si t'as des nouvelles, tu me rappelles. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu cette jeune fille par hasard? Ah si, c'est Jade. Non, je l'ai pas vue aujourd'hui. Pas depuis un moment d'ailleurs. Oui, Emma? Elle est pas venue au lycée aujourd'hui. J'ai appelé tous nos potes et personne n'a vu. Mais vous êtes proche de votre fille? Oui. C'est juste que je travaille beaucoup, mais ça lui permet d'avoir la maison pour elle toute seule. Et vous lui parlez souvent? Oui. Bon, et avec son père? Pierre est mort d'un accident de travail, il y a 5 ans. Et votre fille, elle l'a vécu comment? Bah, ça a été dur et puis elle a vu un psy pendant 2 ans et maintenant ça va mieux. Vous êtes sûre? Je sais pas. Clément? Ouais. Je suis la mère de Jade, c'est moi qui t'ai envoyé un message cette nuit. Ma fille a disparu. Je suis sûre que tu sais où elle est. Comment ça, elle a disparu? Elle a disparu depuis hier. T'as bien une idée de où elle pourrait être? Non, je sais pas, je vous promets, ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles. J'ai lu vos conversations. Vous avez l'air de bien vous entendre pourtant, non? Vos conversations? Ouais, on se voit beaucoup, mais là, je sais pas où aller. Tu fais quoi avec ma fille? Vous prenez quoi ensemble? Mais rien de méchant, on fume des joints de temps en temps, mais vraiment, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas un petit joint qui va lui faire du mal. Hein. C'est toujours mieux que tous les médocs qu'elle s'enfile à longueur de journée, là.
Comment ça, quel médoc? Quel médoc? De quel médoc tu parles? Et puis que vos antidépresseurs. Elle est pas bien, votre fille. Les antidépresseurs. Mais elle t'a déjà parlé de moi? Rarement. Et jamais en bien. Adrien vient de me larguer comme une merde. Et m'a dit que j'ai rien perdu, que c'est un connard. Je suis encore toute seule. Maman bosse, elle est jamais là quand j'ai besoin d'elle. De toute façon, maman s'est isolée de tout. Elle se noie dans le boulot pour oublier sa vie de merde. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de papa. Comme d'habitude, maman a fait comme si de rien n'était. Je suis rentrée à la maison, elle a même pas levé les yeux de son ordi, putain. Parfois, j'aimerais juste que ce soit elle qui soit partie à ta place. Papa, tu me manques. Heureusement que je te retrouve au lac de temps en temps.